Et non, vous ne rêvez pas, c'est déjà la 28e édition de la Balade de la Saône. Et aujourd'hui, la Foxcam vous fait découvrir ou redécouvrir cette course associative dont la création remonte aux années 90. Pour cette édition, l'association Courir Fonce Gris a vu les choses en grand. Deux courses pour les adultes, plus longues que les années précédentes, et deux courses pour les enfants. Et puis, bien évidemment, l'habituelle randonnée pédestre. Il est 10h, c'est le départ des courses adultes et de la randonnée. 470 coureurs répartis dans deux clans, ceux qui font le 7 km et ceux qui font le 14. Ils partent du boulodrome, le meilleur sera de retour dans moins d'une heure. Bon courage! Et les enfants, où sont-ils dans tout ça? Pour les trouver, rien de plus simple. Il suffit de tendre l'oreille et de chercher du regard un grand lapin bleu et blanc. Emiren, la mascotte de la balade. Et les enfants sont bien ici, eux aussi. Et eux, ce sont d'autres bénévoles qui sont venus prêter main forte pour contenir près de 150 enfants cette année. Allez les enfants, tous sur la ligne de départ, c'est parti! À peine le temps de se repositionner et les voilà de nouveau. Faut dire que 1 km, pour certains, c'est du gâteau. Retournons voir nos adultes. On les a rejoints au premier kilomètre. Grand sourire pour certains qui ne se rendent pas encore compte de la distance qu'il leur reste à parcourir et qui feraient mieux de s'économiser un peu. D'autres cependant y vont à leur rythme. Après tout, on n'est pas là pour la compétition, on est là pour la bonne cause. Si la balade de la Saône existe, c'est bien pour eux, les Restos Bébés. Cette association caritative a pour objectif de fournir gratuitement du lait maternel aux mamans en difficulté dans la région toulousaine. Et chaque année, c'est près de 400 familles qui sont accueillies par leur équipe. L'intégralité de l'argent collecté pour la balade leur revient donc depuis 28 ans. Courir n'est finalement qu'un prétexte pour aider à son niveau des familles en difficulté. Le premier kilomètre nous permet de découvrir la jolie mairie de Quinte-Fonce-Grive et sa rue principale où, entre un casino et un magasin de montures, on peut croiser la pharmacie ou encore le coiffeur. Bref, tout ce qu'il faut à portée de main et sans leur participation, la course ne pourrait pas exister. Le reste du parcours, c'est Arthur, notre caméraman embarqué, qui va vous le présenter. Un kilomètre plus loin, on grimpe, du 15% tout de même. Notre caméraman ouvreur lui a le droit à un VTT électrique, mais notre coureur lui compte bien sur ses mollets. Trois kilomètres après le départ, au nord de la ville, petite balade champêtre dans les bois le long du ruisseau du Grand Port de Mer. Puis retour sur la place Bergerot qui accueille aussi la foire et d'autres événements importants pour la ville. Certes, on est là pour parler de la course, mais on peut bien parler de cette jolie ville. Tant que nos coureurs se promènent, profitons-en pour choisir au hasard parmi les 90 bénévoles présents, une personne qui veut bien répondre à quelques questions que je laisse Alex de la chaîne World of Freedom s'occuper. C'est le meilleur temps, le repos des coureurs qui viennent se restaurer un petit peu et boire ensuite à côté. Tant c'est le calme. Donc nous sommes au calme aussi. Et ensuite, oui, alors la balade, elle date il y a bientôt 30 ans. Je crois que ça fait 28 ans que cette course existe. Et les organisations tournent un petit peu. Et nous, ça fait combien? Ça fait 6 ans. On compte plus maintenant. Voilà. Sympa. Voilà. Très convivial. Très convivial. Et c'est vrai qu'on est chanceux parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'il fait très beau. Même s'il y a du vent. Et là, une folle envie de les rejoindre me vient. Avec près de 6 kg de matériel qu'il faut stabiliser du mieux possible, c'est pas évident. Et j'ai dû sauter par-dessus un petit muret de fleurs que je n'ai vu que tardivement. Le regard des coureurs surpris par tant d'élégance et d'athlétisme à mon égard est rapidement distrait par le stand du poissonnier juste au bord de la route. Et quelques mètres plus loin, je me suis écroulé au bord du malaise. Pendant ce temps-là, la ligne d'arrivée.
Nos coureurs descendent maintenant entre les habitations. Pour les coureurs du 7 km, c'est fini, ils peuvent rentrer à la ligne d'arrivée. Mais pour ceux du 14, ils rejoignent le sud de la ville pour enfin voir la Saône le long du Sentier des Planètes. Affluent de l'Hermor, lui-même sous-affluent de la Garonne, la Saône c'est environ 170 km d'eau et puis j'ai rien d'autre à dire. 7ème kilomètre, c'est le ravitaillement. Pas le temps de s'arrêter, un petit verre, un biscuit tout au plus. Et finalement, la voilà se dessiner au loin, plus qu'une centaine de mètres à parcourir. Et c'est notre numéro 80, Thomas, qui décroche la première place de la course après 53 minutes et 32 secondes, soit une vitesse moyenne de 16 km/h. Suivi de Habib, numéro 367, et Rémi, numéro 385. Que des hommes, oui, mais les femmes ne sont pas en reste, et la première qui les rejoint, c'est Sophie, numéro 85, qui fait le 14 km en 1h04. Chapeau. Et dire que je me suis écroulé après 50. Mais partout, très sympa, un petit peu exigeant, avec de belles montées, mais très sympa, c'est chouette, il y a de bonnes relances, sur le plat, il y a de quoi bien se tenir, travailler, voilà. C'était parfait. Au podium tout à l'heure, tu savais qu'elle était juste derrière la Miss? Non, pas du tout, j'ai pas regardé. Aujourd'hui c'était une séance au seuil, donc j'ai fait mon travail. Et tu l'as bien fait? Oui, je regarde pas parce que déjà je me mets la pression toute seule, si en plus je vois que c'est derrière, c'est fou. Tu peux te la mettre à pression parce que tu gagnes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé de ce 14 km aujourd'hui? Ah oui, c'était très bien, à part les montées qui font mal, mais à part ça, super. Très bonne organisation et très joli pour toi. Pour le 7 km, nous avons en premier Mathieu, numéro 865, avec 25 minutes et 23 secondes. Le deuxième, Erwan, numéro 365, avec 27 minutes et 20 secondes. Puis Christophe, numéro 697, avec 28 minutes et 57 secondes. La première femme des 7 km s'appelle aussi Sophie, à croire qu'elle court plus vite que les autres femmes. Cette année, la balade de la Saône a pu collecter 4 200 € pour l'association Les Restos Bébés. Plus de 750 coureurs ont fait le déplacement et ont mobilisé 90 bénévoles. Toute l'équipe de Courir Fonce Grive, Les Restos Bébés et la Foxcam vous remercie d'avoir participé et d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons vous revoir très bientôt, le 13 octobre 2019, et on l'espère avec un peu plus de soleil.